Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la Fédération hospitalière de France, Monsieur Frédéric Valtoux, Monsieur le député président de la Fédération hospitalière de France Auvergne-Rhône-Alpes, cher Jean-Louis Touraine, Monsieur le Président de la Commission médicale d'établissement des Hospices civils de Lyon, cher Olivier Claris, Mesdames, Messieurs, c'est en l'absence de Catherine Jeanne, qui n'est pas présente sur Lyon aujourd'hui, que j'ai le grand plaisir de m'exprimer devant vous pour ouvrir d'une certaine manière le cadre de cette ouverture par les institutionnels. Je serai bien sûr bref au titre de mes propos introductifs, mais je tiens évidemment à saluer l'organisation du séminaire, l'organisation à la fois de ce séminaire à Lyon. C'est la première fois par rapport aux 22e édition que la ville de Lyon est choisie. Je dirais que c'est une très bonne idée, à la fois parce que vous le savez, Lyon a le plaisir ou d'une certaine manière le privilège d'être la ville qui a d'une certaine manière l'honneur d'être la ville ayant accueilli le premier hôpital en France, il y a de cela plus de 1500 ans. C'est aussi d'une certaine manière la ville où, avec les Hospices civils de Lyon, structure hospitalo-universitaire, nous avons cette année en particulier, avec les 60 ans des CHU, une vraie place dans une actualité évidemment marquée sur l'évolution de notre système hospitalier. Je dirais aussi que cela permet à l'ensemble des congressistes de profiter des atouts importantes et réelles de la métropole dans le cadre du VIV. Vous découvrez, pour ceux qui ne sont pas de Lyon, l'évolution marquée qui a été celle du quartier de la Confluence dans lequel nous sommes aujourd'hui. J'insisterai aussi sur le dynamisme économique, qui est un élément important que les élus auraient pu largement présenter en tant qu'élus lyonnais, sur cet enjeu pour Lyon d'être une ville où la santé a une place particulière, où les relations entre les activités de soins portées par les hospitaliers avec les écosystèmes académiques, avec les écosystèmes industriels, sont majeurs et où, je dirais avec fierté, nous pouvons considérer que les Hospices civils de Lyon occupent une place très forte. Je tiens aussi, dans cette introduction, à saluer, d'une certaine manière, le changement de nom de ce congrès qui nous réunit aujourd'hui sur cette ouverture avec ce nouveau nom de Séminaire national des hospitaliers qui embrasse de façon très large l'ensemble des acteurs de la vie hospitalière autour de thématiques majeures qui sont celles du congrès aux deux jours. C'est bien sûr le signe d'une ouverture large à l'ensemble des publics hospitaliers, ainsi que je l'indiquais, pas seulement aux professionnels de l'information médicale, des services financiers qui ont une place importante, mais qui montrent bien aujourd'hui que l'évolution de l'hôpital, elle se fait en synergie entre les différents acteurs, les différentes composantes de nos établissements. J'insisterai aussi sur le nombre. Alors, la salle continue à se remplir, mais vous le savez d'ores et déjà, c'est plus de 700 personnes qui sont attendues sur ce congrès, sur, je dirais, ce 22e séminaire installé. Je préciserai, je tiens aussi à ouvrir et à saluer dans la dynamique d'organisation du projet, la profondeur qui va nous être offerte tout à l'heure par M. Raphaël Eindhoven sur la relation médecin-patient qui va nous permettre de gagner donc de la profondeur dans notre exercice et ce que nous faisons au quotidien. Je soulignerai enfin l'intérêt des thématiques, des séquences de travail qui sont présentées. Les sujets d'actualité sont nombreux. La protection des données, les outils de contrôle de gestion ont déjà été présentés hier pour ceux qui étaient dans le cadre des ateliers de formation. C'est aussi aujourd'hui l'expérience patient, les innovations organisationnelles. La référence du congrès mettait le petit R avant évolution, mais c'est vrai que nous sommes aujourd'hui avec des évolutions très très fortes qui sont ouvertes. Il y a un dynamisme majeur apporté par les évolutions nationales, des évolutions régionales et aussi locales. Sur nos évolutions, nous aurons l'éclairage de professionnels étrangers, c'est toujours salutaire, pour avoir des perspectives nouvelles également sur des thématiques clés, particulièrement chères à l'esprit et à l'ambition de la FHF, que sont notamment la pertinence des soins et des parcours. Je dirais en presque conclusion que ce sont des thématiques qui résonnent particulièrement à Lyon, à savoir notamment l'expérience patient, le lean management et la réflexion sur la pertinence de soins, parce qu'elles sont des thématiques qui sont au cœur du projet d'établissement des Hospices civils de Lyon, qui, sous l'intitulé Pulsation 2023, sera présenté ce mois-ci en nos instances. Je conclurai enfin en saluant l'investissement réel et très important du comité scientifique, du bureau, pour l'organisation de ces séminaires très riches. Et enfin, je vous souhaiterai à tous un excellent séminaire, un excellent travail sur ces deux journées qui, je n'en doute pas, seront très riches et fructueuses. Merci à vous.